Bienvenue dans la cuisine de Casabena pour de nouvelles recettes. Aujourd'hui, je vais vous préparer une recette que vous m'avez beaucoup demandé, qui est la baklava. Alors, pour cette recette, il nous faudra l'équivalent d'un kilo de farine, donc c'est de la farine type 45. Il nous faudra 250 g de margarine fondue, de l'eau de fleur d'oranger, un œuf et une pincée de sel. Donc ça, c'est les ingrédients pour réaliser la pâte. Pour la farce de notre baklava, je vais avoir besoin d'amandes, donc c'est des amandes que j'ai émondées. Donc pour émonder vos amandes, c'est très simple, vos amandes entières avec la peau, vous les mettez dans une bassine ou dans un bol, vous mettez de l'eau bouillante dessus, vous attendez à peu près 5 minutes et ensuite il ne vous reste plus qu'à les émonder. Donc là, c'est des amandes émondées, j'ai l'équivalent de 600 g. Il nous faudra de l'eau de fleur d'oranger, 2 sachets de sucre vanillé et l'équivalent de 200 g de sucre en poudre. Alors pour commencer cette recette, je vais d'abord torréfier mes amandes, donc je vais les passer au four. Donc on étale bien nos amandes sur le plateau et c'est parti dans un four préchauffé à 200 degrés pendant à peu près 10 minutes. Il faut qu'elles obtiennent une jolie couleur dorée. Donc là, mes amandes sont prêtes, je vais attendre qu'elles refroidissent avant de les mixer. Donc maintenant, je vais passer à la préparation de ma pâte. Pour réaliser ma pâte, je vais prendre donc un pétrin. Vous pouvez bien sûr réaliser la pâte à la main. Donc je vais déposer dans le bol les 1 kg de farine. Je vais creuser un petit puits au centre. Je vais y déposer donc ma petite pincée de sel, la margarine fondue mais qui a refroidi. Il ne faut pas que ce soit de la margarine qui soit trop chaude. Donc là, qu'on peut voir, elle a commencé un petit peu à se gélifier. Donc c'est de la margarine fondue froide. Et j'ajoute sur la margarine l'œuf. Et ensuite, je vais bien mélanger le tout. Donc la margarine et l'œuf se sont bien incorporés dans la farine. Et maintenant, je vais rajouter donc l'eau de fleur d'oranger petit à petit jusqu'à former une boule de pâte. Donc voilà, on pétrit la pâte jusqu'à obtenir une pâte qui soit bien détendue, comme vous pouvez voir, mais qui est compacte. Donc maintenant, je vais la sortir de mon bol et je vais la partager en plusieurs parts égales. Donc j'ai oublié de vous préciser que j'ai rajouté 300 ml d'eau de fleur d'oranger pour ramasser ma pâte. Donc maintenant, j'ai formé un long pâton et je vais découper donc, plusieurs parts, on va dire. Donc on obtient l'équivalent de 6 boules de pâte. Donc je vais couvrir ma pâte de film alimentaire pour pas qu'elle sèche. Alors pour la troisième partie donc de cette baklava, pour la préparation de cette baklava, il va nous falloir du beurre fondu ou du semen. Donc l'idéal c'est du semen parce que dans le semen on n'a pas de lait. Donc c'est du semen bien sûr qui n'est pas salé, que vous allez retrouver dans les épiceries orientales. Si vous ne trouvez pas, bien sûr, donc ce semen qui n'est pas salé spécial baklawa, spécial couscous, etc. Donc, vous pouvez utiliser du beurre. Mais le beurre, il faut qu'il soit minimum à 82% de matière grasse. On va dire 80-82% de matière grasse. Parce que s'il a 82% de matière grasse, ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup de lait. Ce qu'on recherche, en fait, c'est qu'on ait un beurre qui n'a pas trop de babeurre. Donc, le babeurre, c'est le lait qui se dégage du beurre une fois fondu. Donc, on veut juste récupérer la matière grasse. Ensuite, on va avoir besoin d'un rouleau à pâtisserie, d'un laminoir. Donc le laminoir va nous permettre d'avoir des fines couches de pâte et c'est ce qui va apporter le croustillant à la baklava. Vous pouvez bien sûr utiliser le rouleau pâtissier, mais vous risquez d'avoir une couche qui soit un peu trop épaisse. Donc l'idéal est d'avoir quand même un laminoir pour réaliser une bonne baklava. Ensuite, il nous faudra de la maïzena que j'ai mis dans ce récipient pour pouvoir le saupoudrer. Et 1 kg de miel. Donc le miel, ça sera une fois que notre baklava sera cuite. Donc je vais vous montrer comment faire pour obtenir juste la matière grasse et enlever le babeurre. Donc on va commencer par le faire fondre. On va avoir besoin de 250 g. Une fois que j'ai fait chauffer donc mon beurre, qu'il a bien fondu, je vais le mettre au frais pour que le beurre durcisse et je vais pouvoir récupérer donc le babeurre qui se trouve en dessous. Alors pour obtenir du beurre clarifié, comme je vous ai montré, j'ai mis donc le beurre une fois que je l'ai fait fondre au frigo. Donc là, il a bien durci. Je vais faire un petit trou et je vais enlever tout le lait, donc le babeurre, ce qui se trouve juste en dessous du beurre. Donc j'ai percé, j'ai fait un petit trou dans le beurre bien refroidi
et vous voyez, il y a tout le lait qui descend. Donc ça, ça s'appelle le babeurre. Pour obtenir un beurre clarifié, il faut l'enlever. Donc maintenant, je vais le déposer dans un bol. Donc voilà, là, on a un beurre clarifié. Donc on va pouvoir le faire fondre pour obtenir un beurre sans lait. Et là, bien sûr, on a récupéré le lait, donc ça, on peut s'en débarrasser. Alors pour réaliser donc cette baklawa, je vais avoir besoin d'un moule. Un moule qui soit pas très profond, avec des petits bords qui soient bas, des bords qui soient pas très hauts. Et donc ce moule mesure 40 cm sur 30 cm. Donc je vais le beurrer avec le beurre que j'ai préparé ou avec du semen. Donc c'est du beurre qui n'a pas de lait. Et je vais bien beurrer donc mon moule. Maintenant, donc, on va étaler les boules de pâte pour obtenir une pâte extrêmement fine. Alors, pour réaliser une pâte extrêmement fine, je vais utiliser donc le laminoir. Donc là, j'ai préparé mon laminoir. Ensuite, j'ai préparé donc un tapis antidérapant. Je voulais vous partager un accessoire que j'utilise. C'est un support à pâte. Ça va me permettre donc, une fois que j'aurai étalé mes pâtes, de les positionner sur chaque étage. Donc, c'est pratique quand vous n'avez pas de place sur votre plan de travail. Exposer mon accessoire, donc mon support à pâte. À ce niveau-là. Alors, je vais commencer par étaler une boule de pâte. Ensuite, à l'aide d'une découpe-pâte, on va partager donc en trois, de cette manière. De sorte à former trois petites bandes. Ensuite, je saupoudre de maïzena mes bandes de pâte. Maintenant, je vais passer ma bande de pâte sur le niveau 4 pour avoir une pâte moyennement fine et ensuite niveau 7 pour avoir une pâte extrêmement fine. Ensuite, la pâte qui est extrêmement fine, je vais la poser sur mon plateau de cette manière. On la fait déborder un petit peu sur les côtés. Et je vais faire de même avec mes autres pâtes. C'est-à-dire que je vais les passer au niveau 7-8 pour avoir une pâte extrêmement fine que je déposerai sur mon plateau. Après avoir déposé ma première couche de pâte, donc vous avez compris, il suffit d'étaler finement la pâte pour avoir une première couche. Maintenant, je vais beurrer la première couche avec mon pinceau. Ensuite, on va faire la même chose, sauf qu'on va tourner le plateau dans l'autre sens et on va déposer les bandes dans ce sens. Et en tout, je vais faire 5 couches, c'est-à-dire une première donc horizontale, ensuite une verticale, une autre horizontale, une autre verticale et je terminerai avec une horizontale. Il faut qu'il y ait 5 couches. Et entre chaque couche, il faut à chaque fois beurrer. Donc après avoir mis la deuxième couche, je beurre. Après avoir étalé toutes mes couches de pâte, donc une couche horizontale, ensuite une couche verticale, verticale, horizontale. Donc là, mes 5 couches. Maintenant, je vais préparer ma farce d'amande que je vais mettre à l'intérieur de ma baklawa.
Et la dernière couche, donc la cinquième couche, on ne met pas de beurre dessus. Donc on va déposer directement les amandes. Donc là, je vais déposer mes amandes que j'ai torréfiées au four. On va les hacher assez grossièrement, pas finement, comme vous pouvez voir. Il faut qu'on garde le craquant de l'amande. Après avoir haché mes amandes, je les ai déposées dans un bol. J'y rajoute les sachets de sucre vanillé ou de l'extrait de vanille si vous avez. Et je rajoute les 200 g de sucre en poudre. Je mélange bien le tout. Après avoir bien mélangé mes amandes, je vais arroser d'eau de fleur d'oranger, l'équivalent à peu près de 100 ml. Et je mélange bien le tout. Alors, mélange bien donc les 100 ml d'eau de fleur d'oranger dans mon mélange d'amandes de sucre et sucre vanillé. Et maintenant, je vais déposer ma farce dans mon plat. Et ensuite, on répartit bien les amandes dans notre plat, de sorte à mettre les amandes à niveau. Et ensuite, on recommence donc le même procédé. On va mettre des couches, des fines couches donc de pâte, horizontalement et verticalement à chaque fois, et 5 étages, et entre chaque étage, beurrer à chaque fois. Donc je mets du beurre entre chaque couche. Après avoir étalé toutes mes couches de pâte, donc là j'en ai 5 en bas et 5 en haut, au milieu de la farce aux amandes, entre chaque couche de pâte j'ai beurré, et la dernière couche qui se trouve ici, on ne va pas la beurrer maintenant, on va à l'aide du rouleau pâtissier découper le surplus de pâte en passant le rouleau sur le moule. Donc là, je vais utiliser un découpe losange. Si vous n'avez pas donc cet ustensile, vous pouvez bien sûr mettre une règle et mesurer à chaque fois pour faire donc des losanges de même taille. Donc c'est très simple, on va venir jusqu'au bord et on va poser notre découpe losange juste pour avoir une empreinte. De cette manière. Si vous n'avez pas bien sûr ça, vous pouvez le faire à la règle directement. Vous posez une règle et ensuite vous découpez tous les 2 cm à peu près. Ensuite, à l'aide d'un couteau, on va donc découper tout le traçage qu'on a fait. Ensuite, je vais prendre quelques amandes émondées et je vais les disposer sur mes losanges de cette manière. Je vais appuyer dessus. Vous pouvez ou piquer si vous préférez. Vous pouvez piquer l'amande dans la baklava. Moi, je préfère les disposer dans ce sens. Après avoir disposé toutes les amandes, donc sur mes baklawa, je vais maintenant mettre un petit peu donc de beurre fondu que je vais badigeonner sur le dessus. Je l'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 1 heure de temps. Donc bien sûr, tout dépendra des fours. Il faut compter à peu près 1 heure. Il faut que notre baklawa soit bien cuite sur le dessus, c'est-à-dire qu'elle soit bien dorée. Et vous allez voir que ça va former donc un feuilletage. C'est ce qui va nous montrer que notre baklawa
est prête. Après avoir fait cuire la baklawa pendant à peu près une heure au four, donc bien sûr, comme je vous dis à chaque fois, tout dépendra des fours, ça variera entre 45 minutes et une heure, il faut obtenir ce feuilletage. Il faut voir que les feuilles se détachent. Donc là, on a un très bon feuilletage. Je vais maintenant mettre du miel. Donc la baklawa est encore chaude. J'ai fait tiédir du miel. Je l'ai fait chauffer. Il ne faut pas le faire bouillir. Par contre, il faut vraiment que ce soit du miel qui soit chaud et non pas bouillant. Et dans ce miel chaud, je vais y rajouter l'équivalent de 50 ml d'eau de fleur d'oranger. Je vais bien mélanger le miel avec l'eau de fleur d'oranger. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à arroser donc ma baklawa avec le miel. Après avoir mis le miel sur ma baklawa, maintenant je vais bien la laisser absorber le miel, donc toute une nuit, et je passerai à la découpe que demain. Après avoir laissé ma baklawa veiller toute la nuit, donc là elle a bien absorbé le miel, je vais passer donc à la découpe. Alors je vais utiliser cet ustensile pour pouvoir découper la baklawa, donc c'est pratique, c'est une spatule qui est bien carrée, bien large. Alors on va commencer par enlever les bords, donc j'ai prévu un bol. Et une assiette, donc sur l'assiette je vais y déposer les baklawa et dans le bol je vais y mettre donc les chutes que vous pouvez bien sûr manger. Et de récupérer les bords, donc comme je vous ai dit les bords vous pouvez bien sûr les manger. Regardez. Elle est vraiment très très bonne, très croustillante. Alors, je vous conseille de faire cette recette. Donc après les avoir découpées, je vais les mettre maintenant dans des caissettes parce que la baklawa, ça lâche du miel. Donc forcément, il faudra les mettre dans des caissettes. Je vais vous montrer quand même la cuisson et le feuilletage. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez le feuilletage, comment il est beau. La cuisson en dessous. J'ai terminé de préparer mes baklawa, donc c'est une recette qui reste facile lorsqu'on suit bien sûr à chaque fois toutes les étapes. Ça prend quand même un petit peu de temps, mais vous obtenez une baklawa vraiment croustillante, à la différence de la pâte à filo qui perd de son croustillant, on va dire 2-3 jours après. La baklawa par contre avec une pâte faite maison, elle garde vraiment son croustillant pendant longtemps. C'est une pâtisserie que je vous conseille de réaliser pour l'Eid, Inch'Allah. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à la réaliser au plus vite, à la partager autour de vous, à mettre un pouce bleu à cette vidéo et surtout à vous abonner à ma chaîne en activant la cloche pour ne rater aucune de mes recettes. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube qui est Bena Foodies où je vous y partage plein de recettes gourmandes. Mes baklawa sont prêtes et il ne reste plus, bien sûr, qu'à les déguster.